Au début du jeu, tu vas être devant une porte que tu peux pas ouvrir. Si tu te retournes un moment, tu verras Freeman te faire un coucou. Ah ouais. Ah, je me souviens pas de ça. Le pire, c'est que j'ai déjà fait hein, le Blue Shift, mais il y a longtemps, j'ai oublié. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, excusez-moi, le téléphone.
Vous avez devant vous un homme libre. Bah, évidemment, j'allais pas interrompre ma maman. Voilà, non, c'est bien, elle a récupéré son matos et je la dépannerai lundi soir. C'est la douce du sage qui appelle, il cache bien son jeu, il aime bien aimer. C'est vrai qu'on pourrait croire, mais non, c'est vraiment ma maman. Ouais, qui est là, son ordi qui a cramé, quoi. Bref, c'est bien, elle a récupéré son nouveau modèle et je lui programmerai tout ça lundi soir. C'est cool. Alors, qu'est-ce que vous avez... surtout que j'ai vu que j'avais une notification. Une citation, un gros pavé qui m'était passé sous le menton. Moi, je ne l'ai pas lu au moment où elle est passée. Bref. Alors, pardon de vous avoir fait poireauter, mais bon, en circonstances exceptionnelles. Voilà, comme on dit, chose exceptionnelle. Oui, c'est de lire sur les lèvres, c'est vrai. Moi, j'avais une camarade de classe au collège qui était malheureusement née muette. Sourde. Elle me bluffait. Elle arrivait à lire sur les lèvres. Elle n'allait pas parler trop vite. Mais quand même, l'adaptation de l'humain, fortiche. Bon, allez, on va se le faire, le jeu. Je vais arrêter de vous faire poireauter. Excusez-moi. Alors, déjà, je vais couper la musique parce que le jeu a sa musique et son ambiance propre. Et puis, il faudra que je me concentre dans le... Ouais, le jeu, que je me concentre dans le... Dans le bazar crackboom. Alors, que je commence à basculer dans le bon plan, que je vérifie mes paramètres de direct, tout se passe bien. Visiblement, oui. Ah, je vais peut-être faire ça. Tiens, c'est pas idiot.